Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Shein, c'est parti! Comment je suis trop contente! C'est-à-dire que je les ai reçus il y a à peine une heure, je tourne ma vidéo maintenant. Je suis trop pressée, j'ai trop envie de voir ce que ça donne, puisque j'ai pris des manteaux d'hiver. Oui, sachant qu'on commence à sentir le matin, quand tu sors dehors, ça picote un max, j'ai dit il me faut des manteaux, donc j'en ai pris 3. On va voir ensemble ce que ça donne, j'appréhende, sachant que j'ai pris de la doudoune ou des manteaux basiques. Allez, c'est parti, j'ouvre ça. Alors, on va commencer par celui-ci. Oh, je suis trop pressée, c'est Noël avant l'heure, ça me remonte le moral. Donc là, oui, c'est un manteau, donc je vous mettrai la photo ici. Alors, je crois qu'il y avait différents coloris, je ne sais plus. Ce que j'ai peur, c'est les tailles. Parce que souvent, je prends du XL et je flotte dedans. Et je me retrouve voilà, dans le caca, puisque je ne peux plus mettre les manteaux ou les vêtements, je suis dégoûtée. En tout cas, celui-ci correspond déjà à la couleur. J'espère qu'il va m'aller, parce que celui-ci, quand je l'ai eu, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, celui-là, il est pour moi, tu vois. J'aime bien tout ce qui est poulou-poulou, tout ce qui est tout doux comme ça. Donc allez, on va ouvrir ça, je vais reculer un peu ma table. Alors bien sûr, je vais vous les faire voir porter après. Là, j'ai pris du quelle taille? Est-ce que c'est marqué dedans? Oh, faudrait que je regarde dans ma commande. Donc, c'est un manteau comme ça, avec des poches. Oh non, c'est des fausses poches. Ah, ça, c'est l'arnaque. C'est chiant quand c'est des fausses poches. Parce que toi, l'hiver, t'aimes bien mettre tes mains dans tes poches. Je suis dégoûtée quand même. Sinon, la couleur correspond. L'intérieur est doublé. Vous voyez, il y a une doublure. Ce qui est plutôt déjà bien. Question épaisseur, quand il fera moins 10, bof, bof. Oh, j'aime bien. J'ai peut-être des goûts bizarres, mais chacun ses goûts, hein, comme on dit. Chacun sa personnalité. Bon, je vois pas trop ce que ça donne, sachant que je bique sans lunettes. La longueur des manches, bon, c'est pile poil. Bon, je sais pas ce que ça donne debout, je me vois pas devant la glace, mais je pense que là, la taille a l'air de me correspondre. Enfin, un manteau qui me va. Allez, je vous montre ça tout de suite porté. Alors, pour celle-ci, c'est pareil, j'ai pris du XL, elle est un petit peu trop grande. J'aurais pu prendre une taille en dessous, je pense que j'aurais pu. Je pense que du L, ça aurait été largement, j'ai vu trop grand. C'est mon problème, hein. Je sais pas vraiment quelle taille je fais, c'est un truc de fou. Mais bon, on va dire que ouvert, je la trouve super belle. Ah, oh, dommage, il n'y a pas de poche, vous voyez, petit style avec la poche. Elle est super belle. Elle tient chaud, elle est toute douce. Elle m'arrive en dessous des fesses. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve super jolie, quoi. Elle est tendance, hein, parce que c'est la mode des carreaux en ce moment. Même les chemises à carreaux, elles reviennent en force. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas partir sur ce modèle-là. Je crois qu'il y avait différents coloris, je suis pas sûre. Alors dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci. Non, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal, j'aime bien. Mais sinon, je la trouve super jolie. Alors le numéro 2, voilà, il est comme ceci. Alors sachez que si vous avez un problème avec les tailles, vous pouvez le renvoyer. Voilà, vous avez juste à remettre dans le paquet blanc. Surtout ne l'abîmez pas, essayez de l'ouvrir proprement. Vous remettez le bon dessus, vous le recollez, vous le renvoyez. Et sachez que j'ai un code promo si ça vous intéresse. Je vous le mets ici en barre d'infos. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Il me semble que c'est moins 15%, donc voilà, foncez. Et la livraison gratuite, il me semble. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de manteau peau de mouton. Je sais, j'en ai déjà, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien être comme dans une couverture, tu vois. Genre, si je pouvais prendre ma couette dehors, ça serait top, mais bon, faut pas déconner. Mais voilà, j'aime bien ce genre de manteau. Alors là, à voir si c'est fait pas plus gilet que manteau. Alors, il est assez grand, il est beige, vous voyez. Bon, je vous mettrai la photo ici. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est en option, les poches. Vous ne pouvez pas mettre vos mains dans les poches. Ah, c'est chiant, ça, quand même. Bon, tant pis. Il est long. Je viens de tousser. Voilà, j'ai la larme à l'œil. J'ai la gorge sèche. Alors, on va essayer comme ça. Là, je sais pas ce que j'ai pris. J'ai l'impression que je verrais bien porter debout. Bon, parce que là, je suis en débardeur. Mais faut non, tu mets quand même ton sous-pull ou un pull ou un gilet en dessous. Donc, c'est rien s'il est un peu grand. La longueur des manches a l'air d'aller. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Alors pour celle-ci, certains vont se dire « Ouais, ça fait un peu robe de chambre, mais moi j'aime bien ce style-là. » Sachez que c'est à la mode. Alors moi, c'est vrai que j'en vois pas beaucoup où j'habite. Sachez que voilà, chacun son style. Si vous aimez, foncez. Voilà, moi aussi, je m'en fous. Vous savez, parfois, je m'habille à la wall again. Je m'en fous, chacun son style. Et ça, c'est vraiment le genre de manteau que j'aime bien. Alors c'est dommage, pareil, qu'il n'y a pas de poche. Il est à peu près de la même épaisseur que l'autre. Il est doublé. Voilà, c'est une sorte de poulou-poulou, là, vous voyez, tout doux. Mais il y a différents coloris. J'ai hésité à la prendre en rose, mais je me suis dit, bon, on va déjà tenter en beige. Elle m'arrive au niveau des genoux. Et il n'y a pas de bouton, par contre, sur celle-ci. Non, alors que celle à carreaux, il y a un bouton. Donc, elle se porte comme ça, tranquillou, tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Alors, j'avoue, comme ça, au direct, tu sors de avec ta robe de chambre, ça fait un peu space. On vaut mieux laisser ouvert, voilà. Faire voir que t'es habillée quand même en dessous, tu vois.
Mais non, elle est jolie. J'aime bien. Et il y a différents coloris. Elle est en noir, en rose, en marron, toutes les couleurs. Même en kaki, ça doit être pas mal. Hein. Donc voilà pour cette veste. Et le troisième qui est énorme. Alors sachez que j'ai reçu mes colis séparés. Cette doudoune-là, je l'ai reçue toute seule. Et les deux autres manteaux ensemble. Ça arrive très souvent. Beaucoup de monde me demande ouais, comment ça se fait. Ça arrive souvent que quand vous faites des grosses commandes, soit ils envoient dans un gros carton, soit ils séparent les paquets. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et je les ai pas reçus le même jour. Voilà, juste pour vous rassurer, celles qui attendent. Et les délais varient aussi, hein. Ça peut être 15 jours, 3 semaines. Donc là, c'est une grosse doudoune blanche. Je vous mets la photo là. Alors, j'ai trouvé que la nana avait trop la classe. Tu vois, le genre avec la petite basket, streetwear, tranquille la vie. J'ai dit, elle est magnifique cette doudoune. Donc, j'espère qu'elle va m'aller. Parce que je compte sur toi pour moi passer un hiver au chaud. Alors, déjà, elle est the big big. On dirait que j'ai sorti ma couette. Toi, la couette en duvet. Allez, elle est super gonflée, quoi. C'est pas de la daube du tout. Elle est très, très longue. Mais comme vous avez vu sur la photo, elle est longue. Je vais l'essayer comme ça, là. Voilà. Là, devant la caméra, comme ça, elle a l'air d'aller. Elle est tellement agréable. Non, mais on dirait vraiment que tu as mis ta couette sur ton dos. Elle a l'air de tenir chaud. La longueur, ça a l'air d'aller. Bon, écoutez, j'essaye porter. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc, voilà, je vais retrouver avec la doudoune. Ah, je vois rien. J'aurais dû mettre mes lunettes. Alors, je la trouve très confortable. J'ai mis mes lunettes parce que je me vois pas dans le retour écran, tellement je bigle. Elle est super confortable. C'est franchement de la super bonne qualité. Elle est vraiment gonflée, genre le truc, t'as pas froid, ça c'est sûr. Par contre, je l'ai pris trop grande. J'ai pris du XL, c'est trop grand. Je vais vous faire voir, vous voyez? Non, c'est trop grand, regardez. Il aurait fallu une taille en dessous, du L. Oh, je suis dégoûtée, je vais essayer de la fermer. Vous voyez, c'est non, on dirait Olaf, quoi. Non, sans déconner, ça me va pas. Elle est trop grande, puis il n'y a pas de poche. Elle aurait dû être un peu plus cintrée, vous voyez. Un peu plus cintrée, c'était nickel, quoi. Mais là, elle est trop grande, je suis dégoûtée. Sinon, en longueur, je vais vous faire voir pour celles que ça intéresse. Donc moi, je fais du 42, on va dire 40-42. J'ai pris un XL, c'est trop grand, donc voilà. Après, c'est peut-être une doudoune qui se porte plutôt large. Hein. Donc sinon, elle m'arrive au genou. Je fais 1m70. Sinon, elle est pas moche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi surtout quel manteau vous avez préféré. C'est sûr que là, c'est de la doudoune, quoi. Mais c'est de la vraie doudoune qui tient chaud. Elle est pas moche. Hein. Franchement, c'est con. C'est juste une taille au-dessus. Je suis dégoûtée. Donc, ça y est, j'ai essayé mes trois vestes. Ah, celle-là, elle tient tellement chaud. Alors, ma préférée, je pense quand même, c'est celle à carreaux. Celle-ci en deuxième. Et malheureusement, la doudoune en troisième. Alors, elle aurait été plus petite, j'aurais kiffé. C'est le genre de truc que tu mets, t'es bien. Ça tient super chaud, mais elle est vraiment trop grande pour moi. Pas trop grande, mais il y a vraiment une taille au-dessus et ça se voit sur ce genre de doudoune. T'as l'impression de marcher comme ça, quoi. C'est trop, trop gros. Trop gros parce qu'elle est trop grande. Donc je suis dégoûtée, sinon franchement, foncé, c'est de la top qualité. C'est des manteaux que je mettrais, mais c'est des manteaux fins, quoi. C'est pour ça que c'est limite, quoi. Je préfère vous le dire, c'est doublé, mais c'est pas. Je veux dire, vous n'allez pas affronter le grand froid avec ça. Donc dites-moi celle que vous avez préférée, si vous aussi vous adorez acheter sur Shein. En tout cas, je suis ravie d'avoir reçu ces manteaux, comment je suis contente. Donc voilà, cette vidéo est finie, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre aussi sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à profiter de mon code promo, je vous mets tous les liens en barre d'infos aussi avec les liens des manteaux. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. À bientôt, ciao.